Bienvenue à tous dans un nouveau Game Watch rétro et radioactif, puisqu'il est question cette fois-ci de Fallout 3. Alors, Fallout, c'est une série de jeux vidéo où... Comment dire... C'est la fin du monde. En gros, dans ce monde, c'est un peu comme si après une longue guerre froide, les gens avaient décidé de régler leurs problèmes à coups de bombe atomique. Une bombe? Qu'est-il arrivé? Une bombe atomique? Nous sommes tous morts? Alors, après un tel événement, vous vous en doutez, le monde... il en reste pas grand-chose. Et c'est dans ce pas grand chose à moitié radioactif qu'on va se balader, explorer et accessoirement buter quelques fourmis géantes. Oh, une grosse fourmi. Ah là là, c'est des souvenirs Fallout 3. Retournons donc sans plus attendre dans ces terres désolées. Oh, le design du personnage, faut pas me laisser ce genre d'option. Bon alors, il aura la beauté d'un dieu grec, la vitesse d'un aigle et la force d'un colosse. Eh ben voilà. Il a une belle tête de vainqueur. Ok, alors, voyons un peu ce monde post-apocalyptique, hein. Oh, waouh. C'est donc ça, le monde d'après. C'est... comment vous le décrire? C'est un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation. Waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas revu cette terre, désolé. Ouais, bon, enfin, voyons si on peut trouver quelqu'un par ici, hein. Mais ici, voilà des gens. Bonjour, jeunes gens, vous allez bien? Oh, oh, oh. Il va crever. Oh là, non. Attendez, mais attendez. Je vais t'accrocher au mur. Non, vite, on se casse. Courez. Vite, le pont. Ah, génial, c'est trop délabré par ici, ils n'oseront jamais me suivre. Ça demande trop d'expertise de se déplacer en évitant les brèches. Et merde. Oh, je suis toujours vivant, bande de cons. Oh, oh là. Ah, enfin de la civilisation. Bon, ben ici, ça a l'air d'aller au moins. Pas vrai, toi? Oh, génial. Quelqu'un d'autre venu tous nous tuer. Waouh, il était super fort, ce mec. Comment il a su? Bon, alors, voyons ce qu'on a par ici, là. Ah, ouais, c'est charmant. Eh, monsieur, ça va? Oh, monsieur, réveillez-vous. Oh, merde. Putain, il dort profondément, hein, c'est quand... Ah, oh, le con, Vincent, mais t'es malade! Oh, putain, le con, j'ai buté Marvin! Putain de merde, je voulais vraiment pas faire ça en plus. Bon, attendez, c'est bon. Je peux arranger ça. Regardez l'expert en action. Hop là. Ok, voilà, et maintenant, une bouteille de whisky. Et voilà. Comme ça, les gens croiront à un suicide. Ah, dis donc, il y a les mecs qui sont malins. Ah, tiens, Emilia Clarke Noire, comment ça va? Je croyais que c'était bien de grandir. Eh bien, ce que personne ne vous dit, c'est que le monde réel craint. Ça craint. Sans déconner. Bah, bienvenue au club, hein. Tu viens de découvrir ça maintenant, toi? Attendez, c'est le mec de tout à l'heure. On dirait qu'ils t'ont guéri, alors, finalement. T'as l'air d'aller beaucoup mieux, là, dis-moi. Waouh. Tout ceci me paraît extrêmement bizarre. Mais bon, allez, à plus. Par contre, tu feras gaffe, t'as la tête qui traîne, là, quand même. Bon, allez, ça pue la merde, là, cette ville. On se barre d'ici, là. Oh, mais quel con, j'ai oublié de mettre la radio. C'était un des meilleurs trucs du jeu, ça. Et maintenant, un peu de musique. Oh, putain, je l'adore, celle-là. Oh, bang, 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 I don't want to go, 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 no, 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 no. What the hell? Bang, 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 bang. Oh, merde, un ours. Oh non mais putain c'est fou ce qu'il y a comme bête dans le coin. C'est vrai que c'est plein de bestioles ici hein. Et puis c'est quoi ça d'abord? Des hommes crabes? Les hommes crabes, les hommes crabes. Oh, ah ben ils sont plus là. Ah, enfin un endroit qui a l'air accueillant. Paradise Falls. Ça a l'air sympa comme ville. Paradise Falls, c'est la planque des négriers. Là-bas on vend les esclaves qu'on a capturés. Ah ouais d'accord. Si vous n'avez pas l'intention d'acheter ou de vendre, cassez-vous. Oh, mais si, je suis là pour acheter des esclaves, moi, absolument. Ouais, d'ailleurs, l'esclavage, hein, c'est... quel concept. Oh, en effet, ils ont vraiment des esclaves, on dirait. Ah, tenez, voilà, ils sont là, dans leur enclos, ouais. Oh, il y a même des enfants. Hé, hey, monsieur, tu peux nous sortir d'ici? Et ma main sur la gueule, tu la veux? Bon, mais à qui faut s'adresser ici pour acheter des esclaves, hein? Ah, c'est toi, hein. Ça me fait pour nous entendre. Vous voulez acheter des esclaves, et moi j'en vends. Non, attendez, on peut vraiment acheter des enfants. Combien pour la petite fille, là? Tes filles, là? Vends-les-moi, sois chic, là! Vends-moi tes enfants!
Alors, voyons la marchandise. Ah, c'est pas mal, dis donc. En fait, ils ont des colliers d'esclaves explosifs. Comme ça, s'ils font mine de s'enfuir, ils les font exploser. Boum ! Enlevez-moi ça ! Ok, calmez-vous, monsieur. Je peux toujours essayer, mais je vous promets rien. C'est normal que ça vibre comme ça ? Eh ouais, t'inquiète pas. On se connaît ma tête. Ah ok, je crois que sur lui, j'ai réussi. Bordel, mais c'est pas vrai ! Ok, alors qu'est-ce que c'est encore que cet endroit ? Ah, vous habitez ici, monsieur ? Oh là, je vois qu'on s'amuse bien par ici. Il a dû forcer sur la bouteille ! Voyons s'il est aussi bourré qu'il en a l'air. Qu'est-ce que tu veux ? Un verre ? Non merci, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Bouffer, péter, boire et baiser ! L'homme le plus classe du monde ! Moi je pense qu'il avait pas plus de classe que de beurre au cul. Et n'empêche, cette pauvre merde là, ce sera l'occasion pour moi d'enfin tester cette arme. Ouais, je sais plus ce que ça fait ce truc. Te prends pas la porte dans le cul ! Wow ! Je me casse. L'homme le plus classe du monde meurt et ses dernières paroles, c'est... Te prends pas la porte dans le cul ! Oh, eh ben y'en a qui connaissent pas la crise. Oh mais oui, je me souviens de cette tour. Ici les gens sont très chics et super snob, vous allez voir. Vous voyez qu'est-ce que j'avais dit ? Très chic. Tiens, c'est carrément écrit ici d'ailleurs. Très chic. Oh, c'est qu'il y a même un bar. Oh, et y a même des robots. Bonjour monsieur. Oh non, il peut même raconter des blagues. Quel est le contraire du plutonium ? Le moitonium ! Non mais je dois dire que ça fait bizarre quand même, d'enfin tomber sur un endroit un petit peu classe, un petit peu... Salut ! Tes fringues. Elles sont où tes fringues ? Ouais, ok, d'accord, ici on dirait qu'on a... Ah oui, d'accord. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit ça. Ça fait plaisir de vous voir. D'accord, ça fait plaisir. J'avais compris, tout le monde est super content de me voir. Ça fait plaisir de vous voir. Je commence à comprendre. Ça fait plaisir putain, de vous voir. Mais non, mais arrêtez avec ça. Ok, bon, ça suffit maintenant. Attention, t'es prévenu. T'es prévenu, ne le dis pas. Ne le dis pas. Ça fait plaisir. Elle l'a dit. Et toi, là ? T'as quelque chose à dire ? Vas-y, hein. Lâche-toi si t'as un truc à dire, là, dis-le. Tu veux partager quelque chose avec le reste de la classe, peut-être ? Ça fait plaisir. Oh, ok, de allez, c'est bon, toi t'as gagné. Vous avez tous gagné. Je vais te faire le coup de la mine dans la poche. Regardez ça. Attention ! Là, ça fait toujours plaisir, là. Et attention, monsieur, il y a une mine dans votre poche. Quelle grosse marade ! Chut. Ok, pas de bon, il faudrait quand même pas la réveiller. Ça va exploser ! Attendez, mais c'était quoi ça ? Oh non, 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 mais attendez, mais non, en plus, il a pas vraiment explosé. J'aime mieux quand ça explose. Ok, cette fois, ça devrait marcher. Ça fait plaisir de vous voir. Ah, d'accord. Ah ouais. Bon, allez, un dernier pour la route. Oh mon dieu ! Oh non, merde, attendez. Je crois que c'était le leader. Bon, vite, on va cacher le corps, ni vu ni connu. Hop là. Oh merde! Non, le cadavre est pas assez planqué là! Ok, vite! Va falloir être discret! Les gars, vite, ouvrez la porte s'il vous plaît! Ça fait plaisir de vous voir! Et hop là! Ok, voilà, ici personne ne le trouvera! Et au cas où, hop! La petite bouteille! Voilà! Comme ça on ne pourra pas exclure le suicide! Oh oh oh! Mais qui voilà? Mais c'est Fox! À l'époque où j'avais eu le jeu, c'était mon meilleur pote, je l'adorais! Alors Fox, qu'est-ce que tu deviens? Je parcours les terres désolées! Espérant trouver un sens à la vie avant de mourir. Moi aussi, Fox. Moi aussi. Hé, mais j'y pense. Tu veux pas venir avec moi et m'accompagner comme à l'époque ? Cela m'attriste, hein ? De voir que vous avez quitté la voie de la noblesse d'âme. Quoi ? Revenez me voir lorsque vous aurez appris à agir avec justice, et je vous accompagnerai. Mais avec justice et noblesse d'âme. Mais c'est pas ce que j'ai fait depuis le début, ça. Ah et quoique, et non, peut-être pas en fait. Hein. Peut-être même que je suis une pauvre merde. Ouais. Mon Dieu, mais alors il a raison. Il a raison. Ok, vous savez quoi ? Hors de question de décevoir Fox, on va lui prouver qu'on peut faire quelque chose de bien. Et pour ça, je sais, ils étaient où ces cons d'esclaves ? Ah oui, voilà, Paradise Falls. On va y aller, et on va tous les libérer, tous ! Ok, nous revoici, Paradise Falls. Allez, vite, allons délivrer ces pauvres diables.
Voilà, voilà, ça y est les amis, ça y est. Allez, allez-y, les petits gars là, les enfants, allez. Et vous, vous et tous, prenez votre envol, nom de Dieu. C'est pas beau ça, de voir ces gens enfin goûter au délicieux parfum de la vie et son arôme de liberté. Merde, j'ai oublié d'enlever les colliers. Bango, 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 I don't wanna leave the tango, no, 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 no. Bingo, bango, bango, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Butch.